Je vais voir Auguste. Comment il va? Ils n'y arriveront pas. À tous les révolutionnaires, nous avons perdu nos principales forces. Rendez-vous à la place du château 2. On devrait y aller. Et lui, on en fait quoi? On doit attendre d'avoir plus d'informations avant de faire quoi que ce soit. On va pas se battre? Tu veux les laisser tout seuls? À tous les révolutionnaires, nous avons perdu nos principales forces. Rendez-vous à la place du château 2. Ok. On attend. Je la connais. Elle est avec nous. Tout va bien. T'es pas blessé. Tu nous as fait repérer. Maintenant, ils savent où on Parle se cache. Pas comme ça, elle vient de se faire canarder. Elle se baladait à découvert, à crier en pleine rue. Tu crois que les flics sont sourds? Maintenant, nous aussi, on est dans la merde. Mais tu vas... C'est bon. Pas besoin de prendre ma défense, j'ai fait de la merde. Quelles sont les nouvelles? Oui, les barricades nord semblent tenir. Ils sont dans un statu quo avec la police. Les gardiens de l'hôtel de ville font face à un saut des milices blanches, mais aussi semblent tenir. En revanche, les ouvriers de la rocade ont dû reculer, mais que de deux pâtés de maison. Tu veux dire que personne n'est en difficulté majeure? La radio ne fait que diffuser des messages de repli depuis plusieurs minutes déjà. Attends, la radio? Tu veux parler des antennes sur le bâtiment d'à côté? Je crois bien que c'est de là qu'on m'a canardé. Deux minutes. Tu dis quoi, là? Elle dit que les contre-révolutionnaires ont pris le contrôle de la radio. Oui. Tous les révolutionnaires qui ont entendu ce message vont droit dans un piège. On doit les prévenir. À tous les révolutionnaires, rendez-vous à la place du château 2. On n'a pas vraiment le choix. Tu l'as dit toi-même, Arlette. Ils nous ont repérés. Il faut qu'on bouge. J'en peux plus de rester sans rien faire. On doit venir en aide à nos camarades. Moi aussi, je vais servir à quelque chose. Et Auguste?
Alors c'est comme ça? On l'abandonne? Vous savez que... J'ai pas envie de le laisser, moi non plus. Peut-être. Ça mérite une discussion, quand même. Il peut pas faire ça. Mais on n'a pas le choix, allez! Jules. Il aurait voulu qu'on aille se battre. Crois-moi. Alors c'est décidé. On y va. Arlette. Quand tous les pauvres s'y mettront.